Ah oui, salut, salut, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour surtout à mes très chers abonnés, je vous aime bien, merci de pouvoir continuer à me soutenir. Bienvenue sur King One Xbet Five, votre chaîne qui a choisi de vous servir. Ici chez nous, nous parlons de comment gagner de l'argent sur One Xbet en vous donnant des astuces, stratégies, failles et bien d'autres choses. Nous sommes aujourd'hui 25 avril 2022. Je viens au travers de cette vidéo vous partager une stratégie que j'utilise et qui me permet de gagner presque tous les jours sur OneXBet. Sans plus tarder, nous passons directement au vif de notre sujet. Notre stratégie se trouve, attendez, une fois sur OneXBet, vous cliquez en haut de votre écran à gauche sur trois points. Vous êtes ici, vous cliquez sur Paris sportif. Une fois sur Paris sportif, vous cliquez sur football. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. J'ai déjà fait une vidéo sur ça et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'arrive à faire des combinaisons fiables. Vous entrez une fois ici. Ici, vous allez chercher n'importe quel championnat, mais moi, je vous conseillerais de choisir entre les top 10 des championnats parce que cette option-là, ça se trouve uniquement sur des grands championnats. Vous allez chercher un championnat où vous retrouverez ça. Je suis en Angleterre. Je vous montre les trucs. Voilà, ici, cherchez un championnat là où vous allez trouver ça. Là, on a écrit Home, VS Away. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Ici, donc, à domicile but marqué, à domicile but, à l'extérieur but marqué. Ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Ça, c'est juste un exemple. Vous cherchez alors un championnat là où vous allez trouver ça. Comme aujourd'hui, nous sommes le lundi, il m'est difficile de trouver cette option dans des grands championnats. Bon, je pars quand même en Italie. En Italie, je suis en Italie. Italie, Série A. Nous sommes en Série A. Nous allons cliquer ici. En Italie, il y a un seul match. Attendez, patientez. Sentez un peu, la connexion me complique. Voilà, je m'excuse pour le désagrément. Ici, comme il y a un seul match, je vais pouvoir combiner avec le match du 27 avril. Ici, directement, vous voyez, nous sommes en Italie. Je viens de retrouver notre option. Notre option existe. Nous cliquons dessus. Maintenant, je m'explique un peu sur ça. Ici, on a formé, voyez ça, on a formé des groupes et c'est chacun de ces groupes contient trois équipes. Et ces trois équipes forment une seule équipe. Je pense que je me fais bien comprendre. Ici, comme les deux équipes formées, comme chaque groupe forme une seule équipe. Alors, voilà pourquoi ici on a écrit chaque équipe. Vous voyez ici. Et ici, on a écrit chaque équipe va marquer deux ou plus. Vous voyez un peu ça. Vous prenez ça. Donc, ces trois équipes ici marquent deux buts. Comme elles forment une seule équipe, donc il faut qu'ils marquent deux buts seulement dans le match. Donc deux buts pour trois équipes, c'est pas du tout difficile.
Donc ça peut passer même à 98%. Voyez un peu ça. Je prends ça, j'ajoute au coupon, je sors. Nous sortons de là, nous allons chercher notre championnat. Là où on peut trouver notre option facilement. Nous repartons en Turquie. En Turquie, nous sommes en championnat de Turquie, Super League. Nous cliquons dessus. Il y a des matchs aujourd'hui. Vous voyez, notre option est là. Et bien là, et bien là. Voilà. Il y a d'autres côtés, vous voyez. Nous avons Betistas, Kasimpas, de l'autre côté. Nous avons aussi Sivasspor. Ok, une fois ici, vous allez prendre la même option. Chaque équipe va marquer 2 ou plus. Nous ressortons. Nous allons chercher un autre championnat. Nous sommes au Portugal. Portugal Premier League. Ici aussi, il y a 2 matchs. Il y a 2 matchs. De l'autre côté, il y a Braga, Boa Vista. De l'autre côté, de l'opposé, il y a Porto, le Sporting Club de Lisbonne. Nous descendons. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, on ne prend pas, 2 équipes vont marquer. Ici, nous prenons le total de buts, plus de 4 buts. Donc ici, vous prenez cette option. Attends, je vais encadrer ça. Donc, total de ces 2 matchs, que dans ces 2 matchs, qui est 4 buts. Voilà, 4 buts. Ici, je me retrouve avec une cote de 2.41 pour 3 événements. Alors, je vais parier bien avant tout. Je vais demander à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés de vous abonner, abonnez-vous massivement. Et parce qu'ici chez nous, c'est une vidéo par semaine. Chaque semaine, donc, vous aurez droit à une vidéo sur des failles, des astuces, sur n'importe quel sujet, puisque nous travaillons beaucoup, nous travaillons dur pour pouvoir vous servir. Alors, viens vous abonner et abonnez-vous. Et partagez avec les autres pour qu'ils aussi puissent aussi gagner. Alors, je vais parier en privé pour qu'on ne puisse pas bloquer cette vidéo. Je vais parier, je ne peux pas parier en direct. Quand même, je vais vous montrer les coupons. Juste après, j'arrive. Voilà, comme vous voyez, notre 2 cotes, 2.41. J'ai mis 10 000 francs d'ici. J'ai parié 10 000 francs. Nous avons combien? 23. Nous avons 24 000. 100. Alors, nous allons devoir attendre le résultat. Avant tout, je vais vous montrer mon historique. Vous voyez, il y a des verts partout. Ici, vous voyez mon historique. J'avais combiné 6 matchs. Fait une combinaison de 6 matchs, vous voyez. Ici, j'avais demandé que chaque équipe marque des buts. Ici, on avait marqué des buts, ici 6. Plus de 5 buts ici, il y avait 13-13, vous voyez. Plus de 4 buts, 7-9. 7-7 pour 2 buts. Chaque équipe marque 3 buts, 3. Ici, il y a 6, vous voyez. J'avais misé 10 000 francs d'ici, j'avais 33 000 francs. Alors, veuillez vous abonner, abonnez-vous massivement. Partagez. Cliquez sur la cloche de notification. Mettez-nous en commentaire vos idées, tout ce que vous voulez que nous puissions faire sur cette chaîne. Nous allons les faire. Partagez, abonnez-vous. Et on se retrouve juste
après la semaine prochaine. Rendez-vous à la semaine prochaine. Essayez avec ça. J'espère que vous ne serez pas déçus. Devenez millionnaire avec ça. Je suis sûr que avec cette stratégie, vous arriverez à gagner beaucoup d'argent. Merci et à très bientôt.